Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Vulbizio. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, eh bien, je vais commencer par mon absence de vidéo sur YouTube. C'est tout simplement parce que j'ai eu quelques petits problèmes de cama. Donc, comme vous voyez, bah, j'ai plus mes objets. J'ai que 1,7 million. Donc, j'ai quelques petits problèmes de cama. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer une technique aujourd'hui. Donc, ça sera le craftage de cruelle peltruelle. Donc, bien sûr. Si vous êtes mineur plutôt, ça vous coûtera pas grand chose de les crafter, hein, je dirais. Il y a que les bois de merisier qui coûtent cher, mais bon, voilà. Bon voilà. Donc, eh bien, je vais vous parler de tout ça après. Je fais le petit calcul pour savoir combien de ressources il me faut à chaque fois que je prenne et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, donc ça y est, j'ai pris toutes les ressources qu'il me fallait. Donc, eh bien, normalement, j'ai un forgeur de pelle qui m'attend à l'atelier. Donc, j'espère qu'il est toujours là. Donc, moi, il me fait payer un peu cher, je trouve. Bon, après, voilà. On est bien l'obligé quand il est tout seul. Sinon, j'aurais demandé à des débutants level 60, il m'aurait pas fait payer. Mais bon, là, voilà. Voilà. Donc, je vais crafter les 25 premières avec vous et après je vais couper la vidéo parce que ça va être trop long. Donc, je retiens à peu près les trucs qu'il faut. Donc voilà, donc je vais payer. Donc, eh bien, je vais vous reprendre. Je vous reprendrai quand j'aurai tout fini. Donc voilà. Je crafte. Non, ça va être trop long pour vous. Eh bien, je vous reprends quand j'ai fini de tout crafter. Et donc voilà, on se retrouve pour les crafts des dernières cruelles peltruelles. Donc c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, les allers-retours et tout. Mais bon, voilà, on verra quand ça est récompensé. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais c'est pour faire un gelano PAPM. Donc voilà. Donc le forgeage, le crafteur de PM me conseille d'arrêter si ce n'est pas passé à 30 runes. Ok, merci. Voilà. Donc voilà, donc je ferai la vidéo Gelano à part. Donc juste après celle-là. Donc on va aller chercher. Donc je vais juste lui dire non. Donc voilà, donc on est, faut toujours être très poli avec les gens. Donc voilà. Donc pour avoir combien de runes PM on a obtenu. Donc j'espère en avoir obtenu suffisamment, on va dire. Donc voilà. Donc il n'y a plus Yofata avec moi, mais lui, il y a quelques instants. Oh, il y a maintenant une demi-heure, il a réussi son Gelano PAPM en une rune. Donc, c'est vrai que quand j'ai entendu ça, j'étais bien dégoûté. Mais bon, voilà. C'est la vie, hein. On va pas se pleurer comme ça. Juste pour ça. Oh là là, j'espère. Je sais pas s'il y en a, comment ils savent. Qu'ils savent comment on fait pour enlever ce truc-là. Voilà, ça. Ça, c'est hyper chiant quand on joue. Voilà. Donc voilà, si j'ai pas sorti de vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais plus de gamma, j'avais plus rien du tout. Donc vous voyez, là j'ai 1,6 million, mais j'ai plus mes objets. Donc
Voilà. Oh là là, ça m'énerve. Non, attendez, j'ai un truc plus simple. Donc voilà, donc comme ça, elles sont toutes là. Donc vous voyez, donc là j'ai quelques petites règles. Donc c'est tout simplement parce que je pense peut-être après que le temps, si j'aurais beaucoup de kama, commencer à créer un perso PVP bas level. Donc j'ai tenté quelques petits exos. Donc il y en a combien fonctionné, regardez. Non, c'est là. La minute du tofu. Donc c'est un truc que je pensais jamais atteindre, c'est les 78 en vitalité, 14 en agilité et 2 coups critiques. J'aurais jamais pensé atteindre ça. Donc voilà, je suis vraiment très content. Et bien voilà. Je me prépare un peu. Maintenant que je connais pas mal les règles de la forge magie, et ben, je tente le tout pour le tout. Donc voilà. Donc atelier des forges mages. Donc j'espère obtenir au moins 20, 25 runes avec ça. Bah ben, j'espère, je pense que ça va être difficile, mais c'est atteignable. Donc voilà. Donc je vais vous épargner le moment où est-ce que je brise, parce que c'est vraiment un moment long et chiant. Donc voilà. Eh bien, je vous reprends tout de suite quand j'ai fini de tout briser. Donc voilà, on se retrouve. J'ai fini de briser toutes les cruelles belles truelles. Donc voilà. Donc je vous montre tout d'abord. J'ai rien du tout. Donc j'ai que des poudres de l'Eryxa dans mon inventaire. Donc voilà. Pour montrer que je triche pas. Donc on va les ouvrir un par un. Donc bien sûr, moi je ne regarde pas le nombre de runes PM que je gagne. Le stress 20 runes PM, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Hein. Donc voilà, 1000 runes rapage, voilà, donc voilà, donc 20 runes KPN. Donc là, je pourrais me faire 600 000 directement. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment c'est plutôt faire des Jano PAPM. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite après pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va vite fait juste regarder le prix à l'HD pour ceux qui voudraient les vendre. Parce que ça reste quand même une technique Kama. Donc voilà. Donc sur le serveur Boys, ça a baissé. C'est 35 000 Kama unité à peu près. Donc voilà. Donc ça. Ouais, c'est. Avant, ça valait bien plus cher. Et Rune Gapéa, voilà, ça vaut. Plus très cher maintenant non plus. Donc voilà. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.